À mes amis d'alors, aujourd'hui disparus, et particulièrement à Henri Cazaumayou et Jean-Loup de Mangeat, à Georges Laffly, Bernard Georges, Vladimir Volkoff, Willy De Spins, Jean-José Marchand, Pierre-André Boutan, Claude Belli, Marcel Homs, Jean Forton, Henriette Blon. Pourquoi ce titre me vient qui peut paraître prétentieux et pour cela m'a fait hésiter? Il tient à deux raisons. D'abord, mon admiration pour Sainte-Beuve, immense et presque sans réserve, mis à part les erreurs célèbres, toujours invoquées, Balzac, Stendhal, Baudelaire, mais qui ne changent rien à l'essentiel. Elle s'exprime clairement dans un texte de ce volume, aussi est-il inutile de s'y appesantir. L'autre raison est biographique et trouve son origine dans ma collaboration à La Nation française, l'hebdomadaire aujourd'hui fameux de Pierre Boutan. Ce recueil, qui me paraît un peu présomptueux, doit son existence à l'insistance de quelques amis qui ont voulu me persuader que, si longtemps après, ces textes pouvaient conserver de l'intérêt, notamment pour de jeunes lecteurs ignorants de ces temps reculés. Rassemblement à première vue désordonné de rencontres préméditées ou non, je pense, après les avoir relus et très peu corrigés, qu'ils présentent une certaine unité. De Sainte-Beuve à Bardèche et Benoît Méchain, d'Audiberti à Junger et Hölderlin, ils constituent assez bien ce que Georges Laffly appelle un arlequin, entendant par là une suite de morceaux sans suite. Sans suite, c'est à voir. En cherchant bien, je pense qu'on trouverait un fil conducteur invisible, mais tissé dans la toile, une toile d'autrefois, plutôt solide qu'élégante, mais résistant à l'usage, ou plutôt aux usages surtout imposés. Est-ce cela qu'on pointe comme réactionnaire? Peut-être. Quelqu'un qui se méfie des suggestions trop insistantes d'un présent envahissant, qui aime admirer ce qui doit l'être et préfère éviter le reste, quitte à se réfugier parfois dans le passé, avec ses ressources confirmées, pour fuir les mots d'ordre d'une modernité trop souvent clinquante. Oui, ce récalcitrant préfère les valeurs sûres à ce qui plaît aujourd'hui mais sera oublié demain. C'est au classicisme qu'il donne la priorité, le classicisme, cet étalon or de la culture de toujours et donc, parions-le, de demain. Alors n'hésitons pas à le dire, si ce livre a une unité, c'est dans un solide esprit de réaction qu'il la trouve. Cet aveu qui lui coûtera peut-être quelques lecteurs, lui assurera en revanche les amis inconnus qui sont ceux que souhaite l'auteur, les happy few chers à ce gros consul si fâcheusement absent ici, qui se voulait milanais et conquis la postérité sous un pseudonyme teuton, emprunté à une ville saxonne, Stendhal. Ce jacobin impénitent sut toujours plaire aux esprits contrariants, autre façon de dire réactionnaire, de Bourget à Maurras et à Nimier. Imitons-les et plaçons-nous sous son égide paradoxale pour parler de gens et de choses qui l'auraient souvent fâché ou auraient provoqué son sourire ironique, mais peut-être aussi compréhensif ou indulgent. Le sourire de Stendhal, de quoi rêver? En 1967, Benjamin Constant a eu 200 ans. C'est un bel âge pour un personnage que la postérité a tendance à imaginer sous les traits d'un grand enfant capricieux. Mais, précisément, à mesure que les siècles passent, Benjamin rajeunit tous les jours et nous le trouvons aujourd'hui beaucoup plus en train que du vivant de Madame de Staël,